Tu veux faire un bisou à la première photo? Oh oui. Hello les amis. Coucou les amis. On espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo les amis. Aujourd'hui c'est surprise pour les filles. Ouais. Voilà, maman aussi elle sait pas exactement où on va. Je lui ai dit approximativement. Et voilà, maman elle est en train de coiffer Cam Cam. Et elle a coiffé Mas qui est là avec son livre en attendant qu'on parte. On va s'arrêter à Kiabi pour acheter un maillot à Mas et peut-être un maillot aussi pour Cam Cam. Et voilà, c'est parti pour la surprise. Oui. Bon les amis, on est à Kiabi. Les filles sont en train d'essayer leur nouveau maillot. Quand il y en a déjà. Elle croit que je vais filmer dans le truc. Moustique. Elle est folle. Et voilà. Moi, c'est celui-là, mais il est un petit peu grand. Et voilà. Et après, direction la surprise. Oui. Oh, les amis, on arrive bientôt. Oui. On s'approche. Ouais. Comme se repose derrière. Voilà. Dans 2 minutes, on arrive. Yes. Bon, maman, elle a acheté des petites claquettes pour les filles. Ça, c'est le chapeau de son maillot. Le chapeau de Cam Cam. Attends, pas ici. Ici, on va mettre le maillot. Elle a acheté aussi ce chapeau-là. Pour Mas Mas. Pour Mas Mas. C'est Mas Mas qui l'a choisi. Il a beaucoup aimé. Ouais. Regardez, non, c'est comme ça lui va bien. En mode vacances. Et aussi, elle a acheté des petites claquettes pour Cam Cam, flamant rose. Et aussi, oui. Voilà, comme ça, tu peux les serrer. C'est bien, Sacha. Et après, merci. Les maillots, ben, vous les verrez sur les filles tout à l'heure. Oui. Et voilà. Bon voilà, on est dans un endroit, il y a une belle villa, tout ça, et vous allez voir, on va vous expliquer au fur et à mesure. Il y a Cam Cam, elle a voulu aller voir le chien là-bas, il a grogné et elle est partie en courant, elle a eu peur, et là, regardez là, ah c'est l'arrière d'une 4L. Ouais, c'est joli. Ouais. Ça va mon chéri? Vous allez voir, on va prendre une petite photo là. Son cœur il bat. C'est rien. Regardez, il y a les hamal à nos yeux. Ah, j'ai cru que c'était. Tu viens, maman, faire une photo? Ouais. Et let's go, les amis. C'est joli. Regardez, là, c'est un endroit pour. Faire avec, des activités. Ouais, il y a les oiseaux. Bon, je vais vous expliquer, les amis. On est à Bled Ouladi. Vous le trouvez sur internet. Bon, je le dis chaque fois. C'est pas un partenariat, c'est pas une collaboration. Ouais. Et on fait de pub à personne. Entre guillemets. En fait, ici, c'est un endroit, une ferme pédagogique. Donc, les enfants, ils peuvent faire des activités. Il y a une piscine. On mange tagine, etc. Il y a la nature. Et voilà. Donc, j'ai vu ça sur Internet. Je sais plus où c'est que je l'ai vu. Et voilà. Vous voyez, il y a la piscine derrière. Il y a... Regardez, un endroit, un coin comme ça pour se détendre, berbère. Et voilà, la piscine derrière, regardez, un grand terrain pour pouvoir jouer là-bas. Je voyais des enfants qui jouent et pour pouvoir profiter. Et là-bas, il y a une fontaine. Ah, il y a une pataugeoire pour les enfants au fond là-bas, tout ça. Donc voilà, la petite pataugeoire pour les enfants. Allez, nous, on va s'installer ici, les amis. Venez, les filles. Voilà, la piscine, elle est juste derrière. Je vais pas trop filmer parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Donc j'ai pas envie de. Voilà, vous voyez le coin avec les fontaines là-bas. Ça te va bien le chapeau là-bas. Ouais, le chapeau ça lui va bien. Hein. T'es contente? T'as oublié quelque chose? Tes lunettes pour la piscine. Ah, c'est rien. Pas grave. Ouais. Mais les chemins aussi, j'ai pas pensé. Ouais. Pas parce que vous voulez pas me dire la surprise. Donc ah ouais, donc elle pouvait pas savoir parce que c'est une surprise. C'est vrai. C'est vrai. Bon, regardez les petits maillots de Cam Cam. C'est sirène. C'est la petite sirène et Mas Mas. C'est Ariel. Ouais, c'est Ariel. Et Mas Mas. Stitch. C'est Stitch. Voilà, ça vient de Kiabi. Bon, les amis, petit jus de citron avec gingembre. C'est très très bon. C'est très très bon. Maman elle m'a dit que j'allais aimer. Ouais. Et les filles elles sont en train de se baigner. Comme Mas Mas elle est là. C'est bien Mas Mas. Après, ça elle joue avec des frites comme ça.
Ouais, après il y a des activités, de la poterie, tout ça. Il y a le repas qui est. Il y a le repas qui est compris. Oui. Et voilà. Ben, on vous dira exactement comment ça se passe. Voilà, Cam Cam est allé chercher des brassards. Et voilà, en fait les amis, vous venez ici et vous allez payer 310 dirhams, ça fait un peu moins de 30 euros la journée. Et il y a l'accès piscine, le repas, par exemple le jus comme ça, compris, les filles après elles vont faire des activités, c'est une ferme pédagogique, il y a les animaux, elles vont partir, elles vont nourrir les animaux, elles vont arroser les plantes et trucs comme ça, et après elles vont faire un atelier poterie, elles vont créer une petite poterie, tout ça, ben, on vous montrera. Voilà, donc ouais ça change. C'était une petite surprise, j'ai voulu faire ça pour les filles, j'aime bien ce genre de truc là, c'est sympa. Activité manuelle, elles jouent, il y a la nature et nous on est bien aussi. Inch'Allah le repas il est bon, on vous dira si c'est bon. Et je vous mettrai le lien ou le WhatsApp carrément, si vous voulez, en description. Voilà, s'il y en a que ça intéresse. En tout cas c'est sympa. Au début je vous ai montré le nom, c'est Bled Ouladi, un truc dans le genre. Ouais. Cam Cam, elle est tranquille. Pendant que Masma est en train de se baigner, elle joue. Petite trampoline. Avec les petites balançoires. C'est bien. Doucement, parce que là, il y en a un petit dos. Oui. C'est bien, ma chérie. Oui. C'est bien ici. Oui. Oui, en plus, il y a. Là-bas, il y a des maquettes et il y a un truc. Des maquettes? Oui, il y a des maquettes, je peux faire comme ça. Ah, des raquettes, pas des maquettes. Ah oui, il y a des raquettes pour jouer avec le... Ouais. Ah oui, pour faire du badminton. Et là, tout à l'heure, Cam Cam, elle était là aussi. Là, il y a une petite balançoire carrosse, comme dans un carrosse. Petite balançoire comme ça. Non, franchement, moi, je trouve que c'est vraiment très, très, très sympa ici. C'est vraiment très bien. Là, nous, on est là, avec maman. C'est pas solide. C'est pas solide? Elle dit c'est pas solide. Et derrière il y a la piscine et là on va bientôt manger. Regardez. Et voilà. Regardez, les filles en tout cas elles sont contentes, c'est le plus important. On passe une bonne journée. Une grenouille. Hein? Une vraie grenouille. Bon les amis, voilà le petit repas, je vous ai filmé une petite partie, c'est un genre de buffet à volonté. Et voilà, moi j'ai pris un petit peu de tout, kefta, Cam Cam elle a pris que des bêtises. Pense. Trop. Trop. Et bon appétit, c'est bon, c'est très, très bon. Très très bon. Comme du lilas. Ça brûle. Ça brûle, hein. C'est parce que c'est non, chaud. Non, c'est pas ça, c'est parce que c'est... Il y avait une pizza et ils m'ont échangé contre une autre. Ah ouais, parce que j'ai vu quelqu'un l'a fait tomber. Et voilà, là il y a de la salade avec de la mangue. Tout ça, bon ça c'est tomate avec les oignons, des briques, des genres de pommes de terre kefta. Et là il y a tagine au poulet aussi. Ici, avec la sauce, c'est vraiment... Ça a l'air bon en tout cas. Moi, j'ai pas encore goûté. On s'est baigné et toi si tu vas te baigner. Ouais, moi après manger je vais me baigner aussi avec les filles. Moi, c'est trop bien les amis. Elle est bien la surprise de papa. C'est la meilleure surprise. La meilleure surprise. Pas la meilleure parce que moi tu me fais encore des belles surprises aussi. Ouais. Mais toutes les surprises que tu me fais elles sont bien. Elles sont bien, alhamdoulilah. Tu nous fais. Alhamdoulilah, c'est pas que pour toi ouais que. Je fais à tout le monde. Moi j'aime bien les surprises de toi et de maman. Et de maman aussi bien sûr. Ouais. Maman elle fait des bonnes surprises c'est de maman aussi. Hein. Allez on va manger, bon appétit. Bon les amis, on a fini de manger, on a bien mangé. Maintenant on va faire la sieste. Maintenant une petite sieste.
Non, moi je vais aller me baigner avec les filles. Il y a du monde dans la piscine, là, les amis. Il y a pas mal d'enfants. Oui. Et voilà, les filles sont en train de jouer avec d'autres filles et tout ça, avec d'autres enfants qui sont de la même école qu'elles. Et voilà. Franchement, c'est un beau projet. Moi, ouais, j'ai beaucoup franchement, aimé. C'est très, très, très bien. Ouais, à manger, c'est trop bien. L'endroit, il est bien. L'emplacement, nature, tout. Ouais. Est... Activité pour les enfants. Ouais, c'est ça. Vraiment on va voir bien l'activité, pour les familles. Moi, tu m'as parlé un petit peu, je voilà. sais pas. Mais après, on va vous montrer les activités, tout ce qu'ils vont faire. Mais c'est très, très grand. Et alors, ouais, c'est pas mal. C'est vraiment sympa. Vous bagarrez pas, commencez pas. Il y a Tam Tam qui dérange tout le monde avec son pistolet là. Elle l'a piqué à quelqu'un. Ça va être bientôt l'heure des activités. Allez, c'est parti les amis. Là, ça va être le moment où les filles vont aller à la ferme. On va aller voir les animaux. Regardez qu'est-ce qu'elle fait là. Et voilà, il y aura les activités. C'était bien, Masma? Trop! Depuis tout à l'heure, elle se baigne, depuis qu'elles ont fini de manger, et elles jouent vraiment bien. Elles sont pas sorties de l'eau. C'est parti, les amis, on va aller voir les animaux. Petite ferme. Bon, j'ai vu, il y a des chameaux, des dromadaires, les chèvres, j'ai même vu des cochons. On va voir ce qu'il y a. En fait, il y a une porte là pour le passage. Et là, je sais pas si c'est ici qu'ils font un petit atelier poterie. Mais c'est sympa aussi. Et là, en fait, ça se voit qu'ils cultivent. Et là, juste à côté, il y a les animaux. Tiens, tiens. Comme quand il donne à l'autruche. Pas peur. Il y a carrément une... Elle est grosse. Elles sont grandes. Ouais. Massima, c'est donne à manger au cochon. Au petit cochon. Tiens, passe. Le petit cochon d'Inde. Tom Tom elle a pleuré parce que l'autruche l'a mordu un petit peu. Quand elle lui donnait la salade. Et là, regardez là, les tortues. Je sais pas si on voit bien parce que moi je suis en plein contre les gens. Les copines de Tom Tom, les tortues. T'as vu comme elle est grande celle-là? Non mais je te jure, viens voir. Il est beau, il est magnifique. Ouais, il est beau. Oh, il y a un ami de maman. Le Taos, le camp. Mais il est petit celui-là. Ouais, il est jeune, hein. Il n'a pas encore les grandes plumes. Et celui-là, il est moche, toujours avec ça. Et là, la femelle, il est là. Ah, ouais, la femelle, elle est là. Et là, il y a les petites poules. C'est sympa, hein. Franchement, c'est sympa. Inch'Allah, on a ça, une ferme comme ça. Ah, celui-là, c'est celui qui crache. Il faut faire attention, hein. Ah, c'est pas un lama, ça? Ah, c'est un petit dromadaire. Petit dromadaire. C'est le petit dromadaire, non, c'est pas celui qui crache. Ça va, alhamdoulilah, parce que celui qui crache. Tu veux faire un bisou à l'appareil photo? Oh oui. Là, ça se voit que c'est une femelle, elle a les cils longs des yeux. Regardez. Là, les amis, on voit pas bien, mais caché dans le vase là-bas, il y a un bébé écureuil. Allez, notre tortue, après, sera grosse comme ça. On leur donne la salade, regardez comme elle mord. Et celle-là, elle mange beaucoup. Elle mange bien celle-là. Elle mord bien. Hein. Ça. Elle a plus que faim. Nous, celui-là, des tortues. Et les hamsters aussi, ils mangent. Là, en fait, c'est pas la tortue. Je vois, il y en a une, elle fait d'activité comme les enfants. Voilà. Elles sont mignonnes, les petites chèvres. Regardez-moi cette petite tête, alors regardez. Oui. Oh, comme elle est mignonne. Oh, celui-là encore plus petit, tout mignon. Oh là là, lui, quel âge il a, lui? Il vient de naître. Il vient de naître, c'est obligé. Il est tout petit.
font la bagarre. Ouais. C'est parce qu'ils veulent tous manger. Cam-Cam, c'est tout ce qu'elle aime, les animaux, tout ça. Elle adore ça. Hé, Cam-Cam. Il y a la sirène. Tout le monde est là. Omar, Zineb. Tout le monde est là, les animaux. Et notre ami qui conduit les charrettes, il a le maillot de l'OM, donc c'est bien. Voilà. Allez, Mas-Mas. On se met toutes les quatre ans. Tu veux manger avec nous? Bon, les amis, il y a Mas-Mas, elle est partie dans la charrette. Et Cam-Cam, elle sera dans le tour prochain. Dans le prochain tour. Parce qu'elle est tombée, elle a pris une petite gamelle là. Et voilà. Les petits cochons, l'autruche. Je savais pas qu'il y avait des autruches au Maroc et, si. Et maman elle m'a dit ben si il y a des autruches. Mais on a beaucoup d'autruches. Ouais, beaucoup d'autruches dans le Maroc, je savais pas. Route Sahara, tout ça. Il y a un cochon qui fait une sieste, ben oui. Ben oui, ben oui. Là, il y a un écureuil. Donc voilà, toute la petite ferme elle est là. Ils ont pas mal d'animaux. C'est sympa. Ouais, c'est sympa. Et là ils ont potager à ce moment. Il y a les tomates, il y a plein de trucs. Et voilà. Et les filles sont parties faire le tour en charrette par là-bas. Ah, ils sont au fond là-bas. La grande tortue. Elle est belle. Elle est belle. T'aimerais la voir à la maison? Oui. Je peux rentrer. Avec la petite, non. Cam-Cam qui me dit je peux rentrer dedans. Regardez ça, elle veut rentrer par là. Allez, petit tour de charrette. Let's go. Nous aussi, on va monter. On peut, hein? Hop. C'est bon. Tu l'as fait pas, je vois, elle est. Hop. Le pauvre. On vient d'arriver et on est à l'endroit où il y a toutes les vaches. Hey, mais c'est incroyable. Et des chèvres. Et des chèvres, ouais, tout à fait. Ah, y a un petit peu de lait dans le seau. Ils vont distribuer le lait. Les enfants. Regardez les amis, ça c'est les bébés, les veaux. Ils sont jolis. C'est un bébé, ça c'est un veau, ma chérie. Cam-Cam a dit à ma petite vache, elle est toute mignonne. Elle a des petits cornes. Ouais, elle a les cornes qui commencent à pousser dessus. Regardez, on les voit là. Là-bas, là. Là, c'est les moutons, les amis. On va en prendre un pour Aïd. Il nous faut. On va en prendre deux. Un pour Papy, un pour Tavé. Et un pour nous. Ouais, c'est bon. Ok, tu sais, tu vas t'attaquer. Elles sont grandes. Eh oui, elles sont grandes. Oh, ma sauce. Elle a failli me prendre. T'as eu peur. Elle mange beaucoup. Là, il y a des chevaux, les amis. Celui-là, il est beau, il est costaud. Il est gros et costaud. Là, c'est peut-être un pur sang arabe. Ouais. Parce qu'il est vraiment costaud. Il vient de Belgique. Oh, il vient de Belgique. C'est un Belge. Ah, c'est un Belge. Ah non. Ah. Ça vient de chez vous. Ah. C'est un Gauri. C'est lui qui est arabe. C'est un pur sang arabe, ça. Non, c'est un arabe. Arabe. Arabe barbe. Arabe barbe. Ouais, bah il est beau, hein. Tout blanc comme ça. C'est le nom de race. Ça, y a c'est une race, hein. Ouais. Là, il est beau, tout blanc comme ça, là. Bien coiffé. Il vient du coiffeur, vous avez vu. C'est des poneys. Ouais, c'est des poneys. Ils sont trop mignons. Ils sont trop mignons. Regarde cette tête. Celui-là aussi. Ils sont magnifiques. Ouais, ils sont trop mignons. C'est sympa les poneys. Ouais. Comme Camille m'a dit, ils sont gentils. Tu donnes à manger, ils font rire. Allez, maintenant, c'est atelier poterie. Attends, c'est bon. Mas-Mas, elle voulait faire ça en plus. Elle aime trop ça.
elle voulait faire ça. Donc non, c'est mais rien. En fait, je me fie, elle veut que j'aille avec eux. Ben va avec eux si tu veux. Non. Pas trop. Bon, voilà, on va voir ce que ça donne. Hein. Et c'est parti. Elles ont libre cours de faire ce que bon leur semble. Donc on va voir ce que ça va donner. Elles ont de la peinture avec les pinceaux, les petites poteries et voilà. Comme quand elle a commencé avec du bleu. Attention de ne pas t'en mettre. Regarde. Comme son maillot. Comme son maillot, ouais. Il a pris la couleur comme son maillot. Comme son maillot aussi. Ah, en fait, c'est un bougeoir, les amis. Maman, elle vient de dire, mais c'est pour les bougies. Ouais, c'est un bougeoir. Et après, elles pourront le prendre avec elles. Ouais. Donc, ouais, c'est vraiment pas mal. Allez, comme moi, comme elle a pris le rose. Bleu. Rose. Rose. Allez, les filles, faites-nous un truc de vraiment très joli. Et même maman, elle le fait. Ouais. Et maman, un vrai enfant. Montre-moi ça, vas-y, fais. Je... Moi, c'est pas mal ce qu'elle fait. Moi, c'est le bleu. C'est joli. Ah, voilà, tu l'avais pas bien trempé. C'était pas bien bleu. Oh, maman, elle fait des zigzags. Je zigzague. On va voir le résultat si c'est bien ou pas. Bon, les filles vont faire le henné après, les amis. Les propriétaires, ils ont dit ouais, c'est offert par la maison si vous voulez faire le henné. C'est juste là-bas. Comme elle est partie direct. Se laver les mains. Ah, mais elle a fini. Voilà son bougeoir. Ben, ne l'oublie pas après. Et voilà, et Masma aussi après va faire le henné. Allez, je vais aller voir Kamkam un petit peu pour voir ce qu'elle fait. Maman, elle prend son temps, elle s'applique. Moi, j'ai fait une bêtise. Faut que tu mettes plus de couleurs parce que là, c'est trop mélangé. Ouais, je fais doucement. Je travaille. Le cerveau, il est bien maintenant. C'est joli. C'est joli? Mais ça fait des guillis. Ah, ça fait des chatouilles. Ah, c'est joli. Faire, c'est une fleur? Non, c'est pas pour les hommes. Ben, le henné, on peut le faire pour les hommes. Hein. Non, c'est que pour les femmes. Il y a un homme qui l'a fait. Elle est comme ça, là, Mathilda. Et maman, Maman, elle vient d'arriver, elle dit moi aussi je vais faire. Mais t'as fini ton bougeoir? J'ai laissé un petit peu sécher, je reviens terminer. Je veux voir ce qu'il fait à Kamkam. Faut pas bouger Kamkam, d'accord? Ça, elle dit, ouais, mais elle dit ça fait des chatouilles. T'as dit toi? Ouais. Il faudra pas bouger après Kamkam. Hein. Oui. Ah ouais, là après, il n'y a plus de piscine. Hein. Non, il attend que ça sèche après qu'il partira. Voilà, c'est fini les amis. Tu peux me laver les mains? Mais non, tu peux pas te laver les mains. Faut attendre que ça sèche, ma chérie. Voilà, mais Kamkam elle a dit magnifique. Très très joli. C'est des œufs? Allez, Masma, elle est toujours là. Ah, t'en as pris un autre? Oui. T'as pris l'autre? Le mien, il était moche, je l'ai tout raté. Ah, tu l'as tout raté? Oui. Alors voilà, on a commencé un autre. Et Kamkam bouge pas trop les mains. Il y a pas école. Bon, ça y est, Masma aussi vient de finir le henné. Ouais, ça fait le truc amazir. Ouais, amazir, Léa. Je l'ai séché, c'est joli. Voilà les crêpes pour le goûter, les amis. Regardez ça. Il y a tout ce qu'il faut. Avec les petits bonbons, les petites noisettes, le sucre, le Nutella, le miel. Masma, celle-là a plié sa crêpe. Ouais. Mais regardez celle de Kamkam. Moi, je viens de prendre la même, ouais. Bonne petite crêpe. Et maman, elle a pris ça. La mienne, elle arrive. Allez, ça ramasse, Elle, toi, t'as pris avec des petits vermicelles, t'as pris... Regardez, on voit un petit peu des vermicelles au chocolat, comme ça. Mmh, la gourmandise.
bof. Regardez la bouche de Cam Cam. Monte ta petite bouche. Avec un verre de thé. Si tu veux, Habib, il y a du thé. Non, la mienne, elle vient juste d'arriver. Regardez, les amis. Ça donne la mouche. On part. Non, franchement, ça donne envie. Moi, j'ai d'habitude, pris, moi, je suis pas trop crêpe, pas trop... 1000 trous. 1000 trous. Barrière, ouais. Et ma semence, elle a déjà bientôt fini. Moi, ça va, elle en a pas partout, elle, comme... comme sa sœur, avec le... Bah, j'ai laissé celle-là. Oui, bien sûr. Tu peux aller te laver les mains, ma chérie. Parce qu'elle a encore la peinture et tout. Ah, mais le nez, il est sec. Oui, oui, c'est bon, là, il... Allez, on va manger, bismillah. Bon, ça y est, les amis, on va y aller. Franchement, on a passé une très bonne journée. C'était très bien, ouais. Le henné, on le voit plus, hein. On le voit pas trop. Hein. Pourquoi? Parce qu'elle l'a enlevé un peu trop vite. Ben, après, elle est partie à la piscine, tout ça, elle était impatiente, donc voilà. Voilà, le petit endroit pour boire le thé, tout ça. Et l'endroit là, non, c'est pas nous. Voilà, l'endroit où c'est qu'ils ont fait l'activité, où c'est qu'il y a... qu'ils ont fait l'activité poterie, qu'ils ont peint les poteries, on les a mis dans le sac. Et voilà, Mas, c'était bien? Trop, ouais. J'ai laissé l'autre porte. La surprise de papa était réussie alors? Ouais. On a passé une bonne journée, on a mangé des bonnes crêpes là, moi je ne l'ai pas fini mais j'ai bu un thé avant de partir, juste avant, un bon petit thé, il était très bon, thé à la menthe. Et voilà, on attend maman là et on y va. Ça y est, t'as pris la sucette? Ouais. Oui. L'OM, on a marqué. Ah les amis, Masma c'est en train de dessiner. On est rentré à la maison depuis un moment. Moi je regarde le match de Marseille, ils viennent juste de marquer. On perdait 1-0, là il y a 2-1. Cam Cam est au bain. Regardez, elle a fait un dessin pour maman. Regardez le dessin. Franchement, pour son âge quand même, elle se débrouille bien. Et elle a 5 ans les amis, pour 5 ans elle se débrouille très bien. Moi aussi elle m'en a fait des très beaux. Bon, les dents elles font un peu peur, mais franchement elle se débrouille bien, ma petite chérie. Et Mas aussi, franchement pour son âge, elle a jamais pris de cours ou quoi que ce soit, on lui a jamais rien montré. Enfin si, maman elle dessine quand même bien. Mais Mas, à force de s'entraîner tout ça, elle dessine bien aussi, avec des exemples. Mashallah, mes filles, elles ont du talent. Parce que papa, je vous dis la vérité, papa, il sait pas du tout dessiner. Alors franchement, vous me demandez de dessiner quelque chose, faut pas compter sur moi. Même une voiture ou un petit truc, je te fais deux roues, un petit truc comme ça. Il sait même pas dessiner une étoile. Si, quand même. La dernière fois, je t'ai vu, t'as dessiné juste une bouche, des yeux et... Ouais, franchement, je suis pas fort en dessin, ça m'a jamais intéressé plus que ça, le dessin. Mais c'est quelque chose de bien, hein. Ceux qui savent dessiner, tout ça, tout ce qui est manuel, tout ça, c'est très bien. Je vous encourage à vous exercer et à vous entraîner. C'est la peinture, le dessin, et tout ce qui est manuel, comme ça, c'est bien. Chaîne pour moi où j'apprends aux gens à dessiner, je m'entraîne moi et ouais. Après j'apprends. Tu dessines pas assez bien pour prétendre apprendre aux autres à dessiner, je pense pas. Et une chaîne juste pour ça, et c'est qui va faire le montage, hein? Ben, il faut d'abord que tu m'apprends. Ouais, elle veut apprendre Mas, le montage, les miniatures, tout ça. Elle veut beaucoup apprendre. Bon les amis, Cam Cam est sortie de la douche, hein. Elle a encore peint un petit peu ses bougeoirs. Et voilà, on avait de la peinture à la maison aussi pour faire pareil. Et celui de Mas, regardez. Il est un petit peu jaune. Un petit peu, il est beaucoup joli. Et voilà, là on mange, après les filles vont aller au lit. Des petites pâtes avec des œufs et de la viande, et ça c'est des restes.